I know. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Cannes pour les départementaux. Bon, c'est pas mon département, mais je viens ici parce qu'il y a des meilleures conditions. Je vais vous filmer mon échauffement, mes deux courses, parce qu'il y a série et finale. Et mon impression et mon ressenti après la course. J'ai un peu une tête de fatiguée là, vraiment. Je sors d'une semaine de maladie. J'avais un virus, je sais pas ce que j'ai chopé, mais j'étais au fond. Déjà, je devais courir ce jeudi. Aujourd'hui, on est samedi, je devais courir jeudi, mais j'étais trop malade. Du coup, j'ai dit au coach, je préfère me reposer. Mais là, j'ai fait un échauffement hier, j'ai la forme. Même si je suis encore un peu malade, j'ai la forme. Donc, au calme, là, ça va le faire, là, ça va. Faut que ça pète aujourd'hui, là. Ça va courir vite, vite. Là, je commence par faire de la mobilité de hanche. Donc, il y a trois exos qui vont se suivre. Parce que je suis vraiment nulle au début de l'année. Je pouvais même pas passer une haie sans ouvrir mon bassin tellement que je suis raide au niveau des hanches. Donc, les kinés m'ont dit de faire ça à chaque fois pour progresser. Ensuite, des petits battements pour réchauffer les ischios. Battements classiques. Ensuite, je vais venir faire des cercles dans un sens puis dans un autre. Voilà, comme ici. Je fais plus de battements sur ma jambe où j'ai mal. Au niveau de ma tendinite, là, insertion ischio-fessier. Sur ma jambe gauche, du coup, ma jambe d'attaque. Donc, je vais plus la chauffer de manière générale que ma jambe droite. Petit balancier pour les adducteurs. J'avoue, celui-ci, je le faisais pas. Mais depuis que je me suis fait mal à l'adducteur la dernière fois à l'entraînement, maintenant, je le fais tout le temps. Ça me fait trop rire comment mes jambes, elles passent genre... on dirait que j'ai plusieurs jambes, c'est trop drôle. Bon, là maintenant on s'arrête pour boire un coup, l'hydratation c'est important, et là l'échauffement sur piste commence. Donc petite mobilité au niveau des adducteurs et du psoas, parce qu'au début de l'année j'avais des psoas rincés, genre quand je faisais cet exo plus celui-ci, j'avais les psoas en feu, alors que maintenant ça me fait plus rien, enfin ça m'échauffe mais ça me fait plus mal comme avant, en mode limite crampe quoi. Je tiens à rappeler que je n'ai pas la science infuse, cet échauffement fonctionne pour moi, mais ça se trouve qu'il fonctionne pas pour tout le monde, j'en sais rien, je suis pas une spécialiste dans le domaine. En tout cas, moi je fais ça et ça me convient. Ça me fait trop rire quand je me vois faire des petits cycles de jambes parce que je trouve que je ressemble à rien. Vraiment, genre cet exo, quand je me regarde, je me dis mais c'est ridicule. Là, ça part sur des petits cycles de jambes et progressivement, ça monte en montée de genoux. Mes bras, faut m'expliquer à quoi ils me servent parce que franchement, là, je ressemble à... Mais waouh, je me vois jamais faire... Mais mes bras, mais... Oh là 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 là, je me vois jamais faire des échauffements, mais là c'est critique, hein. C'est critique. Mais regardez ça, mes bras me servent à quoi? Faut m'expliquer là, on dirait que j'ai une main morte à gauche. Je fais grave des trucs dynamiques à l'échauffement, comme ça, et l'exo d'après, monter de genoux fréquence. Parce qu'en fait, je trouve que je suis pas assez dynamique, et souvent je suis un peu trop molle. Du coup, je me force à faire les trucs dynamiques à l'échauffement pour me réveiller un petit peu... Mais bon, j'avoue, ça me fatigue de ouf, mais c'est efficace. En tout cas, j'ai l'impression que ça fonctionne, donc je continue à faire ça. Et quand il fait hyper, hyper chaud, et que je me sens vraiment trop molle ou trop fatiguée, avant de commencer l'échauffement, je fais 2 fois 10 secondes de tapping. C'est parti pour la mise en beauté. Non, je rigole. Je suis en train de me mettre de la crème solaire sur les jambes, parce que j'ai des cicatrices et je veux pas que ça reste. Mais bon, d'habitude, je mets que sur mes cicatrices, pas sur toutes mes jambes, et de la crème 50. Mais là j'en avais pas, mais je pense que je vais rester sur la 50 parce que là c'était moins efficace. Par contre je ne comprends pas pourquoi j'en ai pas mis sur mes bras. Parce que j'ai aussi des cicatrices sur les bras. J'ai eu du zappé. Franchement là j'ai vraiment pas réfléchi. Bon maintenant je mets mes pointes, vous connaissez hein. Par contre mes positions elles me tuent. Vraiment il n'y a pas à se tenir comme ça. Mais bon calme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je cours un peu bizarrement. Surtout au niveau de la décélération. Parce que ma première accélération, elle me fait toujours mal au niveau de mon ischio gauche.
Lola a oublié de filmer, je sais pas si c'était le premier ou le deuxième passage, mais en gros ça, du 6 appuis, je l'ai fait deux fois, mais là en vidéo, vous l'aurez qu'une fois. Pour les départs, en général, je fais deux fois de haies, mais là, jour-là, il faisait hyper chaud, du coup, j'ai fait qu'un seul départ parce que je me sentais bien. Après, s'il fait chaud et que je fais un seul départ mais que je me sens pas bien, bah, j'en fais quand même un deuxième, même si je sais que ça va me fatiguer. Voilà, comme je suis toujours dans des stades où on peut bien filmer, bah, vous voyez toujours mes courses de face où on voit quasiment rien. Vraiment rien. Enfin voilà, vous allez voir 4 haies, c'est génial, mais bon bref, c'est mieux que rien. Je viens d'arriver au sac, là je suis trop contente. J'ai fait record 13,69 et il y a deux semaines j'avais fait 13,79, du coup franchement je suis trop contente. Par contre, ouais il y a trois semaines bien vu, par contre je suis dégoûtée parce que ma course c'était dégueulasse, enfin vraiment c'était dégueulasse. Le début de course ça allait, juste comme il y avait plus 1-1, le départ je suis partie comme une bombe, ça m'a un peu choquée, j'ai volé au-dessus de ma première haie. Du coup bah j'étais deg parce que bah c'était pas vers avant et vite. Mais au calme c'est pas grave, après j'ai pu rattraper. Mais après vers la fin de course, à partir de la 5ème haie, je faisais que d'ouvrir mon bassin. Et du coup j'étais pas solide en réception, je faisais que de dévier vers la gauche. Et je sais pas si ça se verra dans la vidéo, mais moi j'ai senti de ouf. Et pendant la course j'ai essayé de me régler, mais en fait ça allait trop vite et je pouvais rien faire. Et arrêtez de vous moquer de moi là. Mais franchement je suis contente. Là c'est reparti pour l'échauffement pour la finale. Je suis partie m'échauffer 30 minutes avant ma course. J'étais encore chaude, là j'ai juste fait des petites gammes dynamiques un peu pour réchauffer, pour me remettre dedans, mais j'ai pas fait waouh des trucs parce que je commençais déjà à être un petit peu fatiguée. Là vous n'allez pas avoir tout l'échauffement comme tout à l'heure, il me semble qu'il manque que les axels parce qu'au moment où je les ai faites, Lolo n'était pas là, du coup il n'a pas pu filmer, mais j'en ai fait une ou deux, je sais plus, une ou deux je pense. Là, j'ai pris la confiance, j'ai voulu faire du 6 appuis en mode normal dans l'intervalle, mais je me suis rappelé que l'intervalle était minuscule. J'ai eu le temps de faire qu'un seul départ, parce qu'au final, je suis partie avec les cadettes, et la course, elle est partie 5 minutes plus tôt que prévu. Bah voilà, c'est comme tout à l'heure, on voit pas grand chose. Toujours de face, vous voyez un petit bonhomme rouge de loin arriver, mais c'est tout. Mais là, cette fois-ci, on va filmer des tribunes, on va pas voir waouh. Mais on va voir un peu mieux qu'ici. Bah voilà, c'est en pixel, laisse tomber. Mais bon, au moins c'est une vue d'ensemble. Là j'ai lâché le cassé de ma vie. Et j'ai failli tomber. Ok. Là je viens de finir ma deuxième course. Bah niveau sensation, je me sentais beaucoup mieux que la première. J'étais beaucoup plus propre. C'était vite derrière, c'était fluide. Franchement j'ai grave aimé comment j'ai couru. Par contre, bah, j'ai fait moins bien, j'ai fait 13,79. Mais bon, j'ai le seum, franchement j'ai le seum parce que je voulais battre mon record une deuxième fois. Mais je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre parce que ça fait déjà. J'ai rebattu mon record, j'ai égalé mon ancien record. Donc franchement, voilà, je pense qu'il y a à apprendre et maintenant on verra par la suite les autres compétitions. Mais je pense que là je manquais un petit peu de jus. C'est la première compète où je fais deux courses de suite, genre série finale. Et là, j'ai senti les quatre dernières haies que je commençais à plus autant rentrer dedans. Genre, j'étais un peu fatiguée en fait. Mais bon, j'aurais quand même aimé que ça aille plus vite. Mais c'est la vie. Hein. On remercie le caméraman de la journée qui est venu avec moi et qui m'a accompagné. Regardez comme il est beau avec le soleil. Oui. Sans lui, vous n'auriez pas de vidéo. Voilà. Faut le remercier là. Mister Lo. Heureux, on vient de rentrer à la maison, là on vient de finir de manger. On a mangé McDo parce que j'avais la flemme de faire un gras en rentrant tout simplement. Et là il est 22h36. 37. Du coup, il n'y avait pas autre chose que des fast-food ouverts en drive sur la route. Donc bon, c'est pas top, mais les nuggets, ça fait toujours l'affaire. Pourquoi je fais des têtes bizarres comme ça? Qui m'envoie? Bon, franchement, sinon, rien à redire sur la journée. Je suis contente, vous l'avez vu, c'est génial. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche. Et il y a plein de vidéos là qui arrivent. Faut être prêt.